Seigneur Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous réjouissons encore d'être ensemble aujourd'hui. Yes. On va prendre un moment pour louer Dieu. Alors bienvenue à chacune, chacun. Bienvenue à ceux qui suivront ce live. Bienvenue à tous ceux ici qui sont dans le bâtiment, en présentiel, en vrai, en chair et en os. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier. Nous voulons te dire merci pour ta présence encore cet après-midi. Nous voulons simplement nous mettre dans ta présence. Seigneur Jésus, apprécier ces moments. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, mais surtout pour qui tu es pour nous. Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous ouvrons nos cœurs. Alléluia, nous t'ouvrons nos cœurs maintenant. Alléluia, merci Jésus.
Par ta majesté, oui, l'amour.
Parce que tu nous mets au défi de te faire confiance. Malgré les circonstances, malgré la tempête, malgré les vagues, tu nous mets au défi de croire malgré tout, envers et contre tout, de croire. Alors que nous allons chanter ce chant, nous voulons prendre position dans la foi. Nous voulons proclamer la guérison et la délivrance sur tous ceux qui sont malades. Seigneur, nous déclarons, par l'autorité qui est en le nom de Jésus, nous déclarons la guérison sur tous ceux qui sont malades dans cette communauté. Membres de nos familles, ceux que nous aimons. Seigneur, tu ne guéris pas parce que nous aimons les membres de nos familles spirituelles. Tu ne guéris pas parce que nous avons de l'affection pour eux. Tu guéris parce que toi, tu aimes, Seigneur. Alors nous ne regardons pas notre cœur, émotionnellement parlant, nous ne regardons pas cela. Nous voulons juste simplement mettre notre regard de foi, Seigneur, sur la croix. Ne pas regarder les vagues. Te faire confiance. Tu nous appelles et tu nous mets au défi de croire.
Ma foi se fortifiera dans la présence de mon sauveur. Jésus pour toujours, je t'appartiens.
Je sais que tu
je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux
voici. Seigneur, nous voici. Seigneur, nous voici. Prends-nous, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voici. Seigneur, nous voici. Thank you.
ce lieu de ta présence. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es là. Inonde ce lieu, encore, souffle. Nos cœurs, Seigneur, qu'elle soit faite ta volonté. Alléluia. Seigneur, dans cette communauté, dans cette famille, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Alléluia, que les ténèbres soient chassées maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions que ta volonté soit faite dans ce lieu, sur cette communauté, sur cette famille, comme elle est déjà dans le ciel. Seigneur, que les réalités du ciel deviennent les réalités de notre communauté, Seigneur. Nous voulons marcher dans le royaume, nous voulons vivre le royaume. Alléluia, Seigneur. Ta volonté soit faite, Seigneur. Dans tous les corps malades, Seigneur, que ta volonté soit faite. Oh Seigneur, liberté. Alléluia, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, que les promesses du ciel sont des promesses pour nous ici et maintenant. Promesses de liberté, de guérison, promesses de provision, Seigneur. Tu es le Dieu qui pourvoit, tu es Yahvé Jiré. C'est pourquoi on dit à la montagne de l'Éternel, il sera toujours pourvu. Il y aura toujours la providence, il y aura toujours, Seigneur, la profusion. Il y aura toujours, il ne manquera jamais à la montagne de l'Éternel. Qu'il en soit fait. Père du ciel comme sur du ciel ici sur la terre, qu'il en soit fait du ciel sur la terre, que ta volonté Père, que ta volonté s'accomplisse ici-bas, aujourd'hui et maintenant. Merci Seigneur Jésus. Nous te remercions Père. Nous te remercions. Nous te remercions Seigneur Jésus. Pour ceux et celles qui veulent participer à la communion, on va passer avec des coupelles pour ceux et celles qui veulent participer ici physiquement. Et si vous êtes à la maison, même plus tard, si vous regardez ce live, plus tard, peu importe, si vous voulez participer à la communion,
préparer juste un morceau de pain et un peu de vin. On va prendre la communion ensemble. Ce soir, nous quittons ce lieu. Toi, s'enlève.
Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour et pour ta grâce, Seigneur Jésus. Et nous nous tenons effectivement dans ce lieu saint, Seigneur Jésus. Nous sommes dans le lieu très saint, nous sommes devant toi. Et au-delà même de ce que nous pouvons comprendre et imaginer, Seigneur, tu es en nous. Nous sommes devant toi, mais tu es en nous. Ton esprit vit en nous. Saint-Esprit, tu vis dans nos cœurs. Tu fais ta demeure en nous. Et nous sommes dans ce lieu très saint. Seigneur, nous voulons nous rappeler ce que tu as fait pour nous. Jamais nous ne voulons oublier la croix. Jamais nous ne voulons oublier tes souffrances. Jamais nous ne voulons, Seigneur, zapper ce moment où le sort d'humanité a été transformé, notre destinée a été changée. La Bible nous dit que Jésus a donné sa vie. Dans un moment d'intimité avec les apôtres, avec les disciples, dans un moment d'intimité, il a partagé un repas. Et nous a dit de faire la même chose, de partager ce repas ensemble. Alors nous faisons ensemble, en intimité, dans la présence du Père. Comme les disciples ont pu le faire dans la présence de Jésus, il était là, il était physiquement là. De la même manière, nous pouvons le faire dans la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous pouvons, dans cette présence, dans ce lieu saint, nous tenir et prendre ce repas. Quel est ce repas ? Du pain qui est corps de Christ, qui est la chair de Jésus, qui est son corps réellement. Alors nous le prenons ensemble et nous disons merci Seigneur, merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci pour le corps de Jésus. Jésus dira en distribuant le pain, ceci est mon corps. Alors nous le prenons et disons ceci est le corps de Jésus. Merci Jésus. Ce moment a été possible. Ce moment a été possible parce que le corps de Jésus a été cloué, mais aussi parce que le sang de Jésus a été versé. La Bible nous dit que Jésus a donné sa vie, que son sang a coulé, et que son sang nous lave de toute erreur, de tout péché, de toute malédiction. Son sang nous lave et nous purifie. Nous sommes par le sacrifice de Jésus rendu pur. C'est une grâce extraordinaire. Nous sommes rendus purs. Alors Jésus a donné la coupe à ses disciples en disant prenez-en tous, c'est mon sang. Alors nous le prenons ensemble et nous disons que c'est le sang de Jésus. Nous croyons que c'est le sang de Jésus. Nous le prenons ensemble. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que tout cela a été rendu possible Seigneur. Tout ce que nous vivons aujourd'hui est possible. Tout ce que tu nous promets est possible uniquement par ton amour, par ton sacrifice à la croix Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Profitez peut-être de la transition entre la louange et la parole pour dire bonjour à quelqu'un à qui vous n'avez peut-être pas dit bonjour aujourd'hui. Et si vous avez l'occasion, bénissez la personne qui est à côté de vous. Au nom de Jésus, bénissez-la.
Très bien. Nous croyons qu'un jour Dieu va nous donner une salle plus grande où on ne devra pas chipoter avec les micros. Hein. Seigneur Jésus, sois béni. Alléluia. En tout cas, on est encore une fois très heureux d'être ensemble aujourd'hui. On veut toujours mieux, hein, on veut toujours plus, mais on est déjà content de ce qu'on a. Merci Seigneur, merci parce que tu nous donnes l'opportunité d'être ensemble, de vivre des moments de louange, de vivre la communion fraternelle. C'est quand même bon, non? Vous êtes d'accord avec moi? C'est bon la communion fraternelle, c'est bon de se voir. Hein, ça fait du bien, ça nous booste, ça nous motive. En tout cas, moi, ça me fait tellement de bien de vous voir. Si, si. Si, si, ça me fait vraiment du bien de vous voir. Ça me réconforte, ça m'encourage. Ah, alléluia. Allez, on continue cette série de messages dans laquelle nous sommes plongés depuis un bon moment sur les pensées du royaume et sur ce que Dieu veut que nous puissions vivre avec lui parce qu'il a des bonnes choses en réserve. Il a vraiment des choses extraordinaires. Et nous sommes sûrs et certains que le royaume est pour nous. Le royaume de Dieu est pour nous. Il n'est pas pour les autres, il n'est pas pour quelqu'un d'autre que nous, il est pour nous parce que nous sommes sa famille. Comprenez, les trucs de roi et de reine, hein, c'est toujours une question de filiation. Les trucs de roi et de reine, c'est une question de filiation. Un roi ne donne pas son royaume à un inconnu. Il n'y a que chez Walt Disney que ça change. Eux, ils ont réussi à faire... D'un pauvre un roi ou de... Ça ne marche pas comme ça. Dans la réalité, dans la vraie vie, le royaume est toujours une question de filiation. Et nous pouvons prétendre au royaume parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est notre Père. Et nous sommes, moi, frère, et vous les sœurs, filles, hein, nous sommes frères et sœurs, excusez-moi, je me disais qu'il y avait un truc pas normal dans ce que je disais. Nous sommes frères et sœurs de Jésus. Nous sommes de sa famille. C'est une réalité, vraiment. On peut avoir l'impression, quand on dit « Ah, mon frère, salut mon frère, salut ma sœur, salut frangin », on a l'impression que c'est devenu un peu une manière de parler dans le monde chrétien. Ça fait partie du jargon chrétien. On dit « Ouais, c'est mon frère, c'est ma sœur, sois béni », c'est tous ces mots-là qu'on utilise, hein. C'est tout notre langage à nous. Et on peut avoir l'impression que c'est « Ouais, c'est une manière de dire ». Mais ce n'est pas une manière de parler, vous savez. Nous sommes réellement frères et sœurs. Spirituellement, nous sommes frères et sœurs. Je me sens seul tout d'un coup. Non, mais je rigole, mais nous sommes frères et sœurs. Et c'est une réalité. Et c'est pour ça que nous pouvons ensemble prétendre à vivre le royaume. Nous pouvons prétendre vivre le royaume parce que c'est pour nous. Bon, c'est vrai, cette semaine, on a encore eu quelques batailles. Hein. On est encore dedans. D'ailleurs, nos cœurs sont dans le soutien, sont dans la prière pour ceux et celles qui passent par des moments compliqués, des moments difficiles. Et ce n'est pas pour dire, mais ces dernières semaines, ces derniers jours, on fait face à beaucoup d'opposition. Hein. Beaucoup d'opposition au niveau des personnes qui sont souffrantes et malades. Même les enfants sont attaqués. C'est quelque chose de dingue. On n'a pas vécu ça souvent. Hein. À ce point-là, je ne me rappelle même pas qu'on ait vécu ça à ce point-là. C'est vraiment terrible. Et on pourrait se poser des questions dans ces moments-là, en disant, mais Seigneur, quand même, pourquoi? Hein? Pourquoi? Bon sang, quoi. On prie, on proclame, hein, vas-y, quoi. Seigneur, vas-y, fais quelque chose, quoi. Étends la main, guéris tout le monde. Seigneur, allez, quoi. On est là, on est motivé, on prie, on cherche ta présence. Seigneur, on cherche ta gloire. Vas-y, quoi. Oh, ah ouais, je vois Pékin me regarde et fait, ben ouais, on se pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est logique? Premièrement, je vais vous rassurer tout de suite, c'est normal de se poser la question pourquoi. C'est tout ce qu'il y a de plus logique. Non? Mais bien sûr que si. On est tous humains. Hein, et c'est humainement tout ce qu'il y a de plus logique. On n'est pas les seuls. Ça s'est passé bien avant nous. Il y a des tas d'hommes et de femmes, même des engagés avec Dieu, que ce soit des prophètes dans l'Ancien Testament, que ce soit les apôtres. À des tas de moments, des hommes et des femmes de Dieu se sont posés la question, waouh, pourquoi? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, quoi. Sors de ton sommeil. On n'est pas les seuls. On ne sera pas les seuls, on ne sera pas les premiers. Enfin, on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers. C'est une question tout ce qu'il y a de plus légitime. C'est normal, c'est humain. Ça veut dire que si c'est humain, c'est pas divin.
Exactement. Si c'est humain, si c'est humainement normal, ça veut dire que c'est spirituellement pas normal. Bah, je ne vais pas dire que ce n'est pas normal. Mais ça, c'est normal que ce soit attaché à notre nature humaine. Est-ce que notre nature spirituelle doit avoir les mêmes réflexes, les mêmes règles? Est-ce que spirituellement, on a la même vision? C'est là que tout doit être différent. C'est vrai que humainement, se demander pourquoi Dieu n'agit pas, c'est légitime. On a des promesses, on croit au royaume, etc. On croit à la guérison. C'est tout ce qui est plus légitime de se dire, si Dieu n'agit pas, il y a un gros problème. Il y a un vrai problème là. Il y a un truc qui ne marche pas. On a dû se tromper dans la recette parce que c'est juste pourri, quoi. C'est nul. Mais spirituellement, ce n'est pas la même chose. Il y a des choses qui sont attachées à notre côté humain et charnel et puis des choses qui sont du domaine du spirituel. Et qu'on soit bien clair, je ne dis pas ça pour dire que se poser la question, spirituellement, ce n'est pas bien. Impeg. C'est pas que c'est pas bien. C'est pas que ah là là, c'est mal, c'est un péché de se poser. C'est pas ça que je suis en train de parler. Même si c'est charnellement qu'on se pose la question, c'est pas une question que ce soit bien ou pas bien. Il y a des choses qui sont liées à notre nature humaine où c'est normal. Il y a des choses qui viennent en nous, des émotions qui viennent en nous. Il faut apprendre à gérer tout ça. Et puis il y a des choses qui sont du domaine du spirituel. Il faut apprendre à gérer aussi tout cela. Et donc, bah, se poser la question, c'est humain. Et il faut savoir réagir spirituellement à cette montée d'émotion, à ce « pourquoi ?» à ce « Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose !» La réalité, c'est qu'en fait, nous ne contrôlons pas les événements. C'est ça la réalité. On se pose la question « pourquoi ?» parce qu'on ne contrôle pas. Ça, on n'aime pas. Hein. Ne pas contrôler, on n'aime pas. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'on aime le contrôle. En fait, je m'explique. On aime contrôler, mais on n'aime pas le contrôle. C'est super d'actualité, non? On entend parler de contrôle, le contrôle total. Oh, on n'aime pas ça. Seigneur, qu'on n'aime pas ça. Ah oui, y a personne qui a envie qu'on nous contrôle de tout. Et pourtant, entre parenthèses, c'est vers ça qu'on se dirige. Hein, un contrôle total. On n'aime pas. On aime bien contrôler, mais on n'aime pas être contrôlé. Quand je dis qu'on aime bien contrôler, c'est pas qu'on a envie de contrôler les papiers de tout le monde, hein. On s'en fout ça un petit peu. C'est pas ça l'idée. Mais on aime contrôler ou avoir le contrôle des événements. On n'aime pas qu'on contrôle notre liberté, et c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Mince, quoi, on a été créé libre. Hein. Mais on aime avoir le contrôle des événements. Et vous savez quoi? On l'a pas. Le contrôle de la situation, on ne l'a pas. Humainement, c'est très dérangeant. C'est même jusqu'à être effrayant parfois. Quelqu'un qui n'a pas la foi face à une décision d'une autorité qui est très dure envers lui, ou peut paniquer face à une nouvelle de la médecine, il apprend qu'il a une maladie très grave, on n'a pas le contrôle, et tout d'un coup, là, on panique. C'est normal, ça peut être très, très déstabilisant, et c'est tout ce qu'il y a de plus logique. Hein. Humainement, c'est très déstabilisant, mais spirituellement, nous sommes appelés à plus que cela. Nous sommes appelés à laisser le contrôle. À ne pas vouloir contrôler, mais laisser le contrôle à qui? À Dieu, évidemment. Dans la foi, on retrouve cette notion de lui faire confiance. Et notre pourquoi, eh bien, le prendre et le déposer au pied de Dieu en disant, la question n'est pas pourquoi Seigneur, mais qu'est-ce que tu vas faire de bon avec cela? La bonne question n'est pas Seigneur, pourquoi? Même si humainement c'est tout à fait légitime, mais spirituellement, prendre ce pourquoi et dire, Seigneur, comment tu vas faire? Comment tu vas renverser la situation? Qu'est-ce qu'il y a de bon que tu vas sortir de là? Parce que nous avons des promesses. La Bible nous promet que Dieu transforme le mal en bien. Dieu appelle à la vie ce qui est mort. Et la Bible va loin. L'Écriture dit que même ce qui n'existe pas, il l'appelle comme si ça existait déjà. Je parle français, là, ça va, c'était compréhensible. Exemple? Quel est le meilleur des exemples, Chloé? Que la lumière soit, elle est devenue après qu'il l'a appelée. Dieu appelle comme si ça existait déjà. Parce que vous savez pourquoi? Parce que pour lui, ça existe. Quand il pense un truc, ça existe, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Quand Dieu dit que la lumière soit, elle existe. Hein. Elle n'a pas le choix de ne pas exister à ce moment-là. On a un Dieu comme ça. On a un Dieu qui retourne toutes les situations. Il y en a certains qui sont en train de réfléchir et quoi avant, il faisait tout noir. Ah, il y a des trucs qu'on ne comprendra jamais avec notre esprit humain. Il ne faut pas essayer de comprendre ce truc-là. Hein. Je sais en le disant qu'il y en a certains qui sont en train de dire « Ah mince, j'avais jamais pensé à ça.
C'est-à-dire, à quoi Dieu avant il était dans le noir? Ce n'est pas ça que ça veut dire. Hein. C'est pas ça que ça veut dire. Mais Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Et en les appelant, elles prennent vie. C'est un peu le principe de la foi. Quand Dieu nous dit, quand Jésus nous dit, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Ça veut dire qu'au moment où nous croyons, la chose n'est pas encore. Mais nous y croyons, et parce que nous y croyons et que c'est dans la volonté du cœur du Père, la chose prend vie. C'est fort, hein? Voilà pourquoi nos pourquoi deviennent des comment. C'était français aussi, ça? Ça va? Nos pourquoi doivent devenir des comment. Comment, Seigneur, tu vas t'en occuper? Comment tu vas transformer cela? Ne pas contrôler est compliqué, difficile, mais tout à fait possible. Ne pas prendre le contrôle de la situation est faisable. Ça demande des efforts. Pour certains plus que d'autres. Il y en a qui sont assez cool avec ça. Je dis, oh, Seigneur, je te laisse le contrôle. Après, ça dépend. Hein. On a chacun nos domaines un peu compliqués. Hein. Il y en a certains qui vont dire, oh, Seigneur, oui, par rapport à la maladie, Seigneur, je te laisse le contrôle. Ils entendent une maladie grave et tout ça. Le médecin leur donne un truc. Ils disent, au nom de Jésus, je refuse. Il y en a. Et puis après, peut-être, les mêmes vont apprendre qu'ils ont une facture à payer. Ils ont un petit peu du mal. Et là, le monde s'écroule. Hein. On a chacun nos domaines un peu... Voilà. Certains, ça va être les finances, d'autres, ça va être la santé, d'autres, ça va être la famille, d'autres... Peu importe. Peu importe. Le challenge, et ça, c'est extraordinaire, le challenge, c'est de faire face à ce qui nous préoccupe, nous fait le plus peur. C'est ça, le vrai challenge. Dieu nous met au défi de croire là où c'est compliqué de croire. Dieu nous met au défi de lui faire confiance là où c'est compliqué de lui faire confiance. Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Pourquoi? Ah non, on ne peut pas dire pourquoi. Pourquoi Dieu nous défie de croire là où c'est compliqué de croire? Moi, je me souviens, je fais partie de ces gens qui n'ont pas de grande peur. Vous savez, je suis presque né dans une famille chrétienne. En tout cas, j'ai été élevé depuis que j'avais un an. J'ai été élevé dans une famille chrétienne. Donc, j'ai toujours entendu parler Dieu ceci, Dieu cela. Toujours. Plein de fois par semaine. C'était le truc. Vous savez, ce n'est pas qu'on adaptait notre agenda et que dedans, on y plaçait quelques cases avec Jésus. Non. Notre agenda tournait autour de Jésus. Ce n'est pas qu'on se disait, ah oui, peut-être qu'on irait bien à la réunion cette semaine, qu'on irait bien au rassemblement. Non, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire d'autre. Il n'y avait que ça. Un moment. Tout tournait autour de ça. La famille, tout ça, ça passait tout en deuxième plan. Parfois trois, parfois quatrième plan. La première chose, c'était Dieu. C'est bien, c'est très très bien. Mais il faut quand même laisser la place aux autres, parce qu'aimer les autres, c'est aussi aimer Dieu, c'est aussi aimer les autres. On ne peut pas rejeter les gens, hein, on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Mais que soit, moi j'ai été élevé là-dedans, et donc je n'ai pas grandi avec beaucoup de stress ou de peur. Depuis que je suis gamin, peur de mourir, je voyais ça comme un raccourci, moi. Quand j'étais de chaud, mourir, c'est un raccourci. Ben, on ira tout de suite voir Jésus dans le ciel. C'était tellement évident, et ça l'est toujours d'ailleurs, c'est tellement évident qu'on ne se pose pas la question. Tomber malade, je croyais que Dieu guérissait, donc il n'y avait pas de stress. Même perdre les gens que j'aimais n'a jamais été un grand stress. Dire, oh, il est dur, hein, il est pas sympa, il manque d'amour, le pasteur Miguel. Mais non, mais ça n'a jamais été un gros stress. J'étais tellement, et je le suis toujours tellement persuadé, que c'est juste un à tantôt. Ce n'est pas un au revoir ou un adieu, c'est un à tantôt. Je suis tellement persuadé de ça que je me souviens avoir été à l'enterrement de ma grand-mère de ne pas avoir pleuré. Je voyais tout le monde brisé, puis moi je dis, mais enfin, elle est au ciel, enfin, elle n'est pas morte, elle est vivante. Mais elle est vivante dans le domaine spirituel, c'est-à-dire elle est vivante auprès de Jésus. Et alors des fois je me disais, ouais, je dois être dur, je dois être méchant, je ne sais pas, genre un cœur de pierre. Bon, depuis, c'est vrai, je suis devenu un vrai brayou, je braye pour tout et n'importe quoi. Mais à l'époque, je pleurais pour rien, 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 rien. Et je n'ai pas grandi avec de grandes peurs. Et je me souviens, étant devenu plus grand, étant au service de Dieu, etc., j'avais pas trop de peur. C'est pas que j'avais de la fierté par rapport à ça, mais vous savez, je m'inquiétais pas trop. Puis quand des gens venaient, ouais, il y a ça, 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 et je les voyais avoir des peurs, je me disais, beuh. Jusqu'au jour où Dieu m'a attendu au tournant. C'est pas Dieu qui m'a mis le nez dans mon caca, mais Dieu a permis que je fasse, que je me prenne quelque chose. Vous savez, le genre de truc, si vous y avez pensé un moment dans votre vie, vous dites, ah non, tout, mais pas ça. Ça, c'est un truc impensable. Je ne vous dirai pas quoi, parce que je ne peux pas en parler, mais j'ai dû faire face à quelque chose dans ma vie où ça a été le truc. Alors évidemment, sur le moment, j'ai fait juste
Comme vous savez, à l'ascension, je m'en tirerai comme les autres fois. J'ai fait le dur, je me dis, ouais, ça va d'aller. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les semaines qui ont suivi, dans les jours et dans les semaines qui ont suivi, mon cœur s'est brisé, vous n'imaginez même pas. J'ai dégringolé jusqu'au moment où j'ai dû admettre et reconnaître que c'était quelque chose de trop dur à porter. J'arrivais pas. Ça me faisait trop mal, ça me dégoûtait trop, ça me bouleversait trop. C'était quelque chose que je ne voulais pas accepter. Ça faisait partie des choses qui me faisaient le plus peur. Voilà, sans vous dire quoi, mais ça me donnait des cauchemars de temps en temps la nuit. Ça revenait, ces choses-là. Enfin, et ça a pris des proportions énormes jusqu'au moment où j'ai dit, Seigneur, il faut que je t'abandonne cette peur. Il faut que je t'abandonne cette chose-là. Il faut que je t'abandonne, Seigneur, ce poids, ce qui me dégoûte là. Je dois te le déposer. Je veux en être libéré. Je ne veux plus vivre avec cette pensée. Je ne veux plus vivre avec ça. Dieu nous met au défi de faire face à nos plus grandes peurs, aux choses qui nous font le plus mal. Il nous met au défi de les confronter. Pourquoi ? C'est ce que j'ai vécu, pour en être libre. C'est pas être complètement heureux si on a toujours des immenses et grandes peurs dans nos cœurs. Alors moi, j'avais l'impression que j'en avais pas, puis Dieu m'a dit, mais, eh oh, loulou, t'es comme tout le monde, hein? Tu te prends pour Superman? Tu te prends pour The King? Ah ben, t'es pas The King. Non, c'est Jésus The King. Toi, t'es pas The King. Regarde, il y a encore ça et ça et ça. Et quand j'ai été confronté à ça, waouh! Alors, ça fait du mal. Ça fait du mal sur le moment, ça fait du mal pendant un moment, ça fait bien mal même. Mais plus tard, quand on se rend compte, quand on dépose ça au pied de Dieu et qu'on en est libéré, on se rend compte de la bénédiction que c'était. Et on ne dit pas, oh merci Seigneur de m'avoir fait mal. Dieu ne nous a pas fait mal. Dieu nous a défiés à lui déposer quelque chose qui était insupportable. Dieu nous fait faire face à nos plus grandes peurs, à nos plus grands dégoûts pour que nous puissions être libres de cela, nous libérer. Et tous nos pourquoi, tous nos comment, Seigneur, c'est possible, etc. Tout cela, nous sommes défiés par l'Esprit de Dieu, défiés par Dieu lui-même. Nous sommes mis au défi de lui déposer afin d'en être libres. Il nous faut passer par des moments compliqués pour comprendre. Il nous faut passer par des moments difficiles, par des peines, pour réaliser notre besoin de déposer. C'est humain, mais spirituellement, nous avons le choix de réagir différemment. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui arrive, mais nous pouvons contrôler, entre guillemets, comment nous allons réagir. Nous ne pouvons pas contrôler les événements, mais nous pouvons et nous sommes appelés à contrôler la manière dont nous allons réagir à ces événements. Alors, nous ne sommes pas appelés à contrôler les autres, ça c'est sûr. Nous ne sommes pas appelés à avoir le contrôle de toutes choses, mais nous sommes appelés à déposer auprès du cœur du Père, déposer nos craintes, nos peurs, lui faire confiance et accepter même parfois de perdre le contrôle de certaines choses. C'est un peu compliqué. Dirait Pasteur Miguel, c'est ouf. Et pourtant, c'est une évidence. C'est une évidence. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui arrive, tout ce qui se passe. Un passage nous parle de cela. On va le lire ensemble. C'est dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Je sais qu'il n'y a plus personne qui cherche dans sa Bible, mais faites comme si. Avant, dans les églises, moi, quand j'étais gamin, quand on disait 1 Thessaloniciens, on entendait les feuilles qui tournaient. Maintenant, je dis 1 Thessaloniciens, tout le monde me regarde. Oui, ça va s'afficher. Oui, ça va s'afficher. Chapitre 5. Paul est en train de parler. Il écrit à une église et il leur dit ceci. 1 Thessaloniciens 5. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, évidemment, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous l'avez ? Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « Maintenant règne la paix, ouh, on y est arrivé, maintenant nous sommes en sécurité, yes !» Alors précisément, la ruine fondra subitement sur eux comme les douleurs saisissent la femme enceinte et aucun n'y échappera. Ça, c'est un verset qui remonte le moral à tout le monde. C'est chaud, hein? Vas-y pour contrôler, là. Paul est en train de dire, quand tu penses que tu peux tout contrôler, c'est le moment où tu contrôles rien du tout. Faut même pas essayer. Paul est en train de parler du monde, de l'humanité qui, à un moment quand même, prend, vous savez, à l'écoute des franges, là, et tout d'un coup, prend un peu de carrure et dit, ouais, on va y arriver nous-mêmes, on va se débrouiller sans Dieu.
Et Paul est en train de dire, il y a un moment, ils vont croire, le monde va croire qu'il contrôle tout. On y arrive tout doucement, ne vous inquiétez pas. Et quand il croira qu'on a tout contrôle, qu'il a le contrôle sur tout, il va se rendre compte qu'il a le contrôle sur rien. Et on peut prendre ce passage, on peut le prendre pour nous-mêmes et se rendre compte qu'on a le contrôle sur pas grand-chose. Est-ce que c'est un problème ? Eh bien, il faut croire que non, en fait. Pourquoi ? Parce que nous laissons ce contrôle à Dieu. Nous lui faisons confiance. Nous décidons de lui laisser la situation. Est-ce que ça fait de nous des gens résignés et vaincus ? Certainement pas. Ce n'est pas parce que nous savons que les choses arrivent et que nous n'avons pas le contrôle sur les choses que tout d'un coup, on s'en fout de tout et que on se résigne à plus rien. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Le fait de laisser le contrôle à Dieu ne fait pas de nous des gens qui ne réagissent à plus rien ou des gens qui ne veulent plus se battre, qui ne veulent plus changer la situation. Non, nous n'avons pas le contrôle, c'est vrai. Nous ne posons pas des questions pourquoi, nous lui faisons confiance, mais nous nous tenons dans la foi. Comprenez que ces choses ne sont pas opposables. Ce n'est pas parce qu'on a, ce désir de laisser Dieu au contrôle que du coup on ne fait plus rien. Qu'est-ce qui se passe ? Nous ne sommes pas résignés et nous ne sommes certainement pas vaincus. L'Église est placée dans le monde pour témoigner, pour qu'on la voie. Même si elle ne veut pas tout contrôler les événements, même si nous sommes dans cette position où nous faisons confiance à Dieu, nous sommes quand même sur nos positions fermes et nous croyons que Dieu fait et que Dieu veut faire des choses encore grandes aujourd'hui. Je m'explique, ce n'est pas parce que nous voulons plus nous poser des pourquoi que nous allons tout accepter. Vous apprenez que le petit est malade. Vous ne dites pas, Seigneur, pourquoi il est malade ? Il dit, ok, Seigneur, ok, je ne contrôle pas les événements. Mais est-ce que pour ça, vous allez laisser le petit malade ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce n'est pas parce que nous acceptons, nous refusons de subir et d'être là où il faut que je contrôle tout. Ce n'est pas parce que nous faisons confiance à Dieu que nous acceptons tout ce qui se passe. C'est une notion quand même fort différente. Nous ne sommes pas résignés et vaincus. Nous sommes debout pour être témoins. L'Église doit témoigner, l'Église doit briller. L'Église ne doit pas passer son temps à se poser la question « Mais pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ci ? Pourquoi là ? Pourquoi on ne voit pas assez de miracles ?» Elle n'est pas là pour se poser 8 millions de questions, elle est là pour témoigner. La Bible dit que nous sommes quelque chose qui témoigne de la vérité. 1 Timothée 3, toutes les pages tournent. 1 Timothée 3, « J'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt, dira Paul à Timothée. Je t'écris cependant tout cela afin que, si ma venue devrait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant. Cette Église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. » Ok ? Je ne tire pas ce passage de son contexte. Paul est en train de dire à Timothée comment il faut se comporter, comment on doit être. Quel genre on doit être ? Si vous relisez le passage, vous verrez qu'il est en train de dire que les chrétiens, ça doit être des gens honnêtes, des gens braves, des gens bons, que les anciens, les diacres, etc., tous ceux qui servent dans l'Église, ça doit être des gens de bonne réputation, etc. Il est en train de dire comment on doit être. Comment on doit être ? Donc, je ne tire pas ça de son contexte. Réellement, nous devons témoigner de qui Dieu est, comment Dieu agit dans nos vies, comment il nous transforme de l'intérieur. Mais ce n'est pas parce que nous ne nous rendons pas malades face à une situation que nous ne contrôlons pas. Ce n'est pas pour ça que nous laissons aller tout et n'importe quoi et que pour finir, on se préoccupe plus de rien. Non, nous avons une image à tenir, nous avons un témoignage à donner, nous avons un statut en Jésus. Nous sommes la lumière du monde. Vous le savez ça quand même. En Jésus, nous sommes la lumière du monde. Et accepter que Dieu soit au contrôle, que les choses ne se passent pas tout à fait comme on le veut, ne veut pas dire que tout d'un coup, on va laisser filer. Non, on tiendra et nous tiendrons fermes pour nos positions. Je vous disais en commençant, c'est vrai, cette semaine, on fait face encore à des trucs de dingue. Et on voit, pour tous ceux qui sont sur les groupes de messages, on voit des maladies qui ne partent pas. Et on se bagarre avec ça. Alors, on peut, dans ces cas-là, se poser 8000 questions, se poser des questions, mais Seigneur, pourquoi ? Seigneur, pourquoi ? Seigneur, pourquoi ? Ou alors, on peut simplement dire, Seigneur, tu sais quoi ? Tu es au contrôle, je te fais confiance. Et nous tenir debout comme un témoin dans la vérité. Être là et dire, non, moi je crois que Dieu guérit. C'est un peu le contraire que tu vois. Alors ça, tu vois, ça ne rentre pas en ligne de compte. Moi je me tiens debout. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe, moi j'ai des positions fermes dans la foi. Je crois que Dieu est un Dieu qui guérit. Je crois que Dieu est un Dieu qui libère.
Je crois que Dieu est un Dieu de liberté, un Dieu de délivrance. Ça, c'est ce que je crois. Et je veux le porter comme une colonne pour la vérité. C'est ce qu'est la famille de Dieu. C'est ce qu'est l'Église. Elle est une colonne pour la vérité. Pour que la vérité soit vue, la vérité soit élevée, elle n'est pas la vérité elle-même. Elle porte la vérité. Elle porte le témoignage. Elle porte les proclamations de Jésus. Elle les porte haut. Et quand bien même la situation n'est pas sous contrôle, parce qu'elle ne le sera jamais vraiment, eh bien nous tenons ferme. Nous ne sommes pas résignés. Non, non, nous tenons ferme pour nos positions. Vous comprenez ce que j'essaie de vous faire passer comme message ? Même si la situation nous pousse à baisser les bras, nous refusons cela. Mais nous refusons aussi de nous poser la question pourquoi ? C'est compliqué ? Ah, Seigneur Jésus. Mais alors, pasteur Miguel, est-ce qu'il y a quand même une raison ou pas ? Juste qu'on est contre nous là. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une raison pour que Dieu laisse faire les choses ? Hein ? Est-ce que quand même, il n'y aurait pas une raison ? Hein ? Ben oui qu'il y a des raisons, évidemment. Alors on ne se pose pas les questions parce qu'on veut tout comprendre, parce qu'on veut tout contrôler. Mais c'est bon de savoir pourquoi, d'une manière générale, Dieu permet les choses. Ça, c'est quand même bon. Alors je vais quand même vous le partager parce que je pense que c'est important. Nous ne voulons pas laisser les pourquoi nous arrêter et que nous baissions les bras et que nous ne soyons plus cette colonne pour la vérité. Vous m'avez suivi jusque-là ? Même si nous avons des questions, nous laissons le contrôle à Dieu, nous lui faisons confiance et nous nous tenons comme un témoin. Nous sommes là debout, une colonne pour la vérité. En tant que famille de Dieu, en tant que famille chrétienne, en tant qu'église de Dieu, en tant que communauté, nous croyons et nous continuons à proclamer que Dieu est vivant. Et ça, peu importe les circonstances. On n'essaye pas de tout contrôler, on ne pourra jamais tout contrôler. Amen. Mais spirituellement, nous savons qu'il y a des raisons. Je veux dire, d'une manière générale, on ne va pas s'arrêter à « Tiens, j'ai mal au pied. Pourquoi j'ai mal au pied ? Mais comment ça se fait, Seigneur ? Pourquoi tu ne guéris pas ?» On ne va pas s'énerver là-dessus. Mais d'une manière générale, les combats sont nécessaires. Les combats sont nécessaires. Il y a des choses, il y a des positions spirituelles que nous ne pouvons prendre que dans les combats. Et ça, c'est une réalité. Il y a des positions spirituelles, des décisions que nous ne pouvons prendre que dans les combats. Nous ne pouvons pas les prendre en dehors, nous n'y arriverons pas parce que nous ne serons pas dans une situation spirituellement prête à... Vous me suivez ? Il y a des choses qui ne sont possibles, qui ne naissent dans nos cœurs, qui ne montent dans nos cœurs que dans des situations compliquées. Toute la Bible regorge d'exemples pour ça. Des hommes, des femmes, des peuples tout entiers, des nations, des villes, qui ont été confrontés à des situations où, dans cette situation, dans ce moment particulier, vous avez cette tournure de phrase qu'on retrouve beaucoup dans l'Ancien Testament, ils se tournèrent vers l'Éternel et invoquèrent l'Éternel. Vous savez, avec les temps, hein, c'est de l'ancien français. Hein. Ils invoquèrent le nom de l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été dans une certaine situation qui a fait naître en eux quelque chose de pas « Oh, pourquoi Seigneur, tu permets ça ?» mais oui, il y a un moment, on va quand même arrêter de se laisser marcher sur les pieds. Là. Il y a un moment, on va quand même arrêter. Hein. Et ces prises de position ne sont possibles que dans certains moments. Il y a évidemment des raisons. Et je méditais sur le sujet encore cette semaine. Et ce qui montait en moi, alors que je méditais là-dessus, c'est en fait finalement, Seigneur, tout ce que tu permets là, c'est pour que nous apprenions mieux à te connaître. Mieux à t'aimer, mieux à te faire confiance. Parce que vous savez, le but final de tout cela, de l'existence, de ce que Dieu a créé autour de nous, c'est le connaître. Et donc, ces situations que Dieu permet, que Dieu laisse faire, et que parfois on se pose et qu'on met de côté, mais Seigneur, cette situation, elle est pour que je te connaisse mieux, que je te rencontre mieux, que je t'aime plus, que je puisse grandir dans ma relation avec toi. C'est le but que Dieu recherche. Dieu veut passer plus de temps avec nous. Dieu veut que nous passions plus de temps avec lui. Dieu veut être plus intime. Dieu veut être plus proche. Il veut que son amour nous remplisse plus. Il veut être aimé plus et il veut nous aimer plus. Comprenez que Dieu ne recherche que cela. Il recherche une vraie relation avec chacun d'entre nous. C'est juste extraordinaire. Alors dit comme ça, quoi donc, les événements pourris de la vie nous rapprochent de son amour. Pasteur Miguel, là, tu viens de lâcher un de ces trucs. Quoi ?
Les événements pourris, les combats, les difficultés, ah ben ça, ça nous rapproche de son amour. Voilà, je fais le résumé de la prêche de Pasteur Miguel. Il a dit que ben, les mauvaises situations, Dieu les permet pour qu'on l'aime plus. C'est un petit raccourci de ce que je raconte. Hein. Dit comme ça, ça a l'air nul, je sais. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir non plus, ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Il y a des situations qui créent en nous un tel besoin, une telle soif. Il y a des situations qui sont tellement compliquées, tellement impasses, que nous n'avons plus que deux choix. On a toujours le choix. Nous n'avons plus que deux choix. Ou alors le chercher et nous rapprocher de lui et s'accrocher à lui bien plus que nous ne l'avons jamais fait, ou alors abandonner. Et en fait, c'est ce point-là qui est important. Ce qui est important, c'est d'arriver à ce moment où on se dit « qu'est-ce que je fais ?» Je ne peux pas juste continuer ma vie comme ça, je ne peux pas juste continuer à croire un petit peu comme ça, de temps en temps le dimanche, parce que je trouve ça fun. Dieu nous met au défi d'aller jusqu'au moment, où, jusqu'au point où nous sommes. Vous savez, c'est un point de non-retour, où dire, ou alors j'abandonne, ou alors vraiment, je m'accroche à lui comme je ne me suis jamais accroché à lui dans la vie. C'est ces points-là, c'est ces moments-là, c'est ces rencontres-là qui font que c'est important. Vous connaissez un petit peu l'histoire du peuple hébreu qui sort d'Égypte ? Un petit peu quand même, ouais. Moïse, le bâton, le feu, les plaies, le veau d'or, le mont Sinaï, enfin bon, vous connaissez un petit peu quand même, vous connaissez vos grands classiques. Semaine prochaine, interro sur la sortie d'Égypte. Le peuple va sortir pour aller au désert. Ben tiens, ça c'est cool. Ils sortent de l'esclavage pour aller quoi ? Vivre une vie de liberté, de bénédiction ? Non, pour aller au désert. Ben tiens, entre vous et moi, Dieu ne pouvait pas faire qu'ils sortent et qu'ils aillent directement dans le bon pays ? Non mais humainement, on peut se dire, là franchement, on a loupé un épisode, hein. On a loupé un truc. Hein. Vous savez ce qui va se passer quand même ? Ils vont tourner en rond pendant quarantaine de jours. Non, 40 ans, hein, 40 ans. J'en ai bientôt 43. Rien que de penser à l'idée de tourner en rond 40 ans, je s'en suis malade. Hein. 40 ans. Et en plus, ce n'était pas visite guidée. Ce n'était pas juste, on va prendre du beau temps, on bronze. Et... Non, 40 ans dans le désert. Avec des moments où il n'y avait pas à boire, des moments où il n'y avait pas à manger. Enfin, une catastrophe. Une catastrophe complète. Et pourtant, Dieu, qu'est-ce qu'il voulait ? Les faire souffrir ? Les faire avoir faim, les faire avoir soif, les faire avoir chaud. Qu'est-ce que Dieu voulait ? Les faire tourner en rond ? Est-ce que c'est ça que Dieu voulait ? Non, Dieu voulait les emmener à un endroit. Il voulait les amener spirituellement à un endroit où il voulait se faire connaître à eux et qu'ils puissent apprendre à se connaître l'un l'autre, apprendre à s'aimer l'un l'autre. Dieu voulait cela. Il voulait pour le peuple une rencontre, une vraie. Et nous savons qu'il a tourné pendant 40 ans dans les airs parce qu'il n'a pas voulu, ce peuple. Le peuple n'a pas vraiment voulu. Ils se sont mis à tourner en rond pendant 40 ans. Le but n'étant pas de leur faire perdre du temps, mais la Bible nous apprend, quand vous lisez ces récits, la Bible nous apprend que toute une génération est morte. Toute une génération est passée, en fait. À part un Josué et un Caleb, la Bible nous dit, à part un Josué et un Caleb sur un peuple qui faisait 600 000 personnes plus ou moins, à part un Josué et un Caleb, la Bible nous dit qu'il n'y en a pas un seul de la génération précédente qui n'est entré dans le pays promis. Pas un seul. C'est fou quand même. Hein, pas un seul. Parce que ce peuple, en fait, n'a pas vraiment voulu. Comprenez ? Dieu n'a pas voulu faire perdre du temps à ce peuple-là. Il n'a pas voulu bousiller 40 années de leur vie. Il n'a pas voulu les faire mourir au désert. Ce n'était pas le but. Il voulait les amener au désert parce que le désert était nécessaire pour qu'ils apprennent à le connaître. C'était un moment de rencontre. C'était un moment important et ils ne l'ont pas compris. Et les pourquoi nous font souvent tourner en rond parce que nous ne comprenons pas que Dieu veut nous emmener à un endroit précis, parce qu'il a des choses à nous apprendre, parce qu'il veut nous mener quelque part, il veut que naissent en nous des besoins particuliers, il veut que nous apprenions à le connaître mieux, plus, et que nous puissions l'aimer encore plus. Et souvent, les pourquoi nous empêchent de réaliser cela. Ce peuple n'a pas vraiment compris, il aura fallu une génération complète. Et nous sommes mis au défi de croire, de faire confiance à Dieu et de laisser nos pourquoi. De lui faire confiance et simplement de tenir debout dans la vérité, de continuer à croire. Nous sommes challengés à faire cela. Et parfois, Dieu permet même
qu'on y retourne encore. Oh non, Seigneur, pas encore le désert. Non. Hey. Dans Osée, c'est vraiment très fort. Dans le prophète Osée, il y a cette déclaration de Dieu. Osée au chapitre 2, il parle de son peuple quand on parle d'une femme. Hein. C'est pour ça que ça va être là. Il parle d'elle comme une femme qui n'a pas été fidèle. Et Dieu va dire, c'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert. Et là, tout le peuple dit, encore ! Et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan et la vallée d'Accor deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Vous lisez ça, puis vous dites, ah non, Seigneur, pas encore. Non, mais là, tu te moques de nous, quoi. Vas-y, tu vas pas nous faire retourner au désert, Seigneur, c'est bon, quoi. Vas-y, mets ta main, guéris, et c'est bon, on n'en parle plus. Le nombre de fois où Dieu permet encore et encore, parce qu'il veut que nous apprenions quelque chose. Et dans ce passage, Dieu dit, je vais la reconquérir, je vais... Comprenez l'élan du cœur de Dieu de rétablir une relation qui a été cassée. C'est son cœur, c'est fou quand même. Hein. Dieu parle de son peuple comme une femme qui a été infidèle, qui est allée coucher à gauche et à droite avec d'autres personnes. C'est l'image qu'il donne. Hein. Il dit vraiment, l'image que Dieu donne, c'est elle s'est prostituée. C'est fort quand même. Hein. C'était juste pour le gain. C'est choquant. Hein. Et Dieu parle de son peuple comme ça, puis il dit, mais je vais la reconquérir. Là, tous les mecs disent Burke, hein. Moi je ne fais pas ça, hein. Je ne reconquéris pas. Hein. Dieu, oui, il reconquérit. Il dit, je vais la mener au désert et là, je vais la reconquérir. Comprenez qu'à la base, le sentiment de Dieu, c'est ce que je vous ai dit il y a quelques instants, à la base, la volonté du cœur du Père, c'est qu'on apprenne à mieux le connaître, à mieux l'aimer et qu'il puisse mieux nous connaître et mieux nous aimer. Il veut faire grandir notre relation et il part de ce peuple et dit, je vais le reconquérir. Et là, je vais l'instruire, je vais lui apprendre et comme au temps de sa jeunesse, elle va répondre. Comprenez que c'était ça le but. Et c'est encore ça le but aujourd'hui. La plupart du temps, quand Dieu permet des choses dans notre vie et que nous sommes là, au lieu de nous poser la question « Pourquoi ça m'arrive ?», nous devons nous rappeler que spirituellement, Dieu veut nous apprendre des choses. Dieu veut nous reconquérir. Dieu veut qu'on apprenne à mieux le connaître, à mieux l'aimer. Il veut que notre amour pour lui grandisse, notre espoir grandisse. Il y a des choix que seul le désert nous permet de faire. Ça, il faut que vous reteniez ça. On ne contrôle pas le désert, mais notre foi et notre position de foi déterminent ce que nous trouverons au désert. Vous m'avez suivi ? On ne contrôle pas, hein, le désert, on ne contrôle pas le temps qu'on y sera, on ne contrôle pas pourquoi on y va, mais notre position de foi va déterminer ce que nous allons trouver au désert. Il y a un peuple qui a trouvé quoi ? La mort. Une génération entière qui, à la sortie d'Égypte, a tourné en rond et est morte. Ils y ont trouvé la mort parce qu'ils n'ont rien voulu trouver d'autre. Et puis, notre position de foi peut nous faire trouver quoi ? La vie, la liberté, la bénédiction. Dans le désert, oui. La Bible nous dit que notre Dieu change les déserts en oasis. La Bible dit de notre Dieu qu'il trace un chemin dans le désert. Il fait fleurir des plantes dans le désert. C'est les psaumes, hein ? Notre Dieu, dans le désert, alors qu'il nous mène parfois au désert, c'est-à-dire que, comprenez bien, je fais bien la différence entre Dieu nous frappe et tout ça, c'est pas ça que je suis en train de dire, Dieu permet le désert, Dieu nous conduit, c'est pas lui qui nous frappe, non, il permet des situations où notre chemin nous mène vers le désert, nous mène vers des positions et vers des situations que nous voulons pas vivre, mais au sein même de cette situation, si nous cherchons son cœur, si nous nous rapprochons de lui, si nous laissons sa voix nous restaurer, si nous laissons l'Esprit de Dieu travailler notre cœur, si nous acceptons, si au lieu de nous poser des pourquoi, nous nous positionnons, Seigneur, tu veux me restaurer, tu veux m'apprendre à mieux t'aimer, cette situation se transforme et le désert devient une oasis. Un chemin tout fleuri. Une autoroute dans le désert, si nous lui faisons confiance. Si nous lui faisons confiance, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu. Les situations que nous vivons pour le moment tentent de nous déstabiliser, tentent de nous mettre à terre et que nous puissions abandonner. Et nous sommes évidemment humainement, nous sommes tentés de dire « Mais Seigneur, pourquoi tu ne guéris pas ?» Seigneur, là, tu vois, on proclame, on croit, pourquoi tu ne guéris pas ?
Nous sommes mis au défi. Nous sommes mis au défi de croire malgré tout, d'être une colonne pour la vérité. Et de trouver dans ce désert, une possibilité de nous rapprocher de Dieu. Nous sommes mis au défi de cela. La position de notre foi va déterminer ce que nous trouverons dans le désert. Les hommes et les femmes de Dieu ont trouvé dans des moments comme ça, des moments de paix, des oasis, des moments de bénédiction, des chemins fleuris. Ils ont trouvé dans le désert des choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ils ont trouvé dans ces moments de combat, dans ces moments où peut-être aux yeux du monde Dieu n'intervient pas, ils ont trouvé à ce moment-là un tel réconfort, une telle bénédiction dans la présence de Dieu, parce qu'ils ont accepté le chemin du désert, non pas comme résignés en disant « tant pis », non, mais en étant fermes dans la foi, ils ont accepté, ils se sont donnés, ils ont fait confiance à Dieu, et leur position de foi a fait qu'ils ont trouvé dans le désert des oasis, des vrais moments de repos, des moments de bénédiction. Nous sommes challengés pour ça. Je pense, j'ai vraiment sur le cœur que dans le désert, nous trouverons deux choses. Moi, c'est ce que je pense vraiment. La première, c'est l'intimité avec le Père. Il y a des moments d'intimité que nous ne trouverons que dans le désert. Parce que ça nous challenge à le chercher alors qu'il est introuvable. Et ça, c'est vraiment une bénédiction qu'on ne trouvera que dans le désert. Le trouver alors qu'il est introuvable. La deuxième chose que je pense que nous trouverons dans le désert, et ça c'est rendez-vous la semaine prochaine, c'est une haine du mal. Qu'est-ce que ça vient faire, pasteur Miguel ? Nous sommes invités à nous approcher de Dieu, à le trouver lui, à grandir, mais nous sommes invités dans le désert à nous débarrasser, à quitter la ville, spirituellement, hein, à quitter, pour nous approcher de Dieu, à quitter les choses derrière, à quitter l'esclavage, à quitter le péché, à quitter ce qui nous lie, ce qui nous enveloppe, à quitter un confort, à quitter peut-être le compromis, à quitter c'était pas si mal que ça, c'est pas si mal que ça. Vous voyez où je veux en venir ? Le peuple s'est retrouvé à un moment donné à dire à Moïse, t'es gentil copain, mais en Égypte, on avait des pastèques, on avait ci, on avait des oignons tout frais, on avait de la salade, c'était bon. Alors nous, on fait tous, ils n'avaient pas toute la vidéo ou quoi, parce qu'ils étaient juste mis à mort. Hein. Ils valaient moins que le bétail, ils faisaient des briques tous les jours. J'ai loupé un truc. Le compromis, c'est pas si terrible que ça. C'est pas si mal que ça. Oh, tout compte fait, on s'accommode bien. Hein, on s'accommode bien à cette vie-là. Tout compte fait, l'esclavage, c'est un grand mot, esclave, on peut quand même avoir certaines libertés. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Hein. Attention, nous sommes tous tentés d'être comme ça. À faire des compromis plus ou moins instables avec une vie qui n'est pas ce que Dieu veut pour nous, avec des mauvais choix, ce que la Bible appelle péché, et on navigue un peu dans les eaux troubles en disant ça va, c'est pas si esclavage que ça, vas-y que c'est bon quand même. Le désert nous amène à quitter cela. À quitter cela. Pas seulement le quitter, à lui tourner le dos. C'est la direction opposée. Le désert nous apprend à quitter cela. Le désert nous amène à rencontrer Dieu, personnellement, à faire des rencontres plus fortes, à grandir dans l'intimité, premier point. Et deuxième point, ça c'est la semaine prochaine, ça nous propulse, ça nous éloigne, ça nous fait tourner le dos à une vie de compromis. Et à attraper, alors que nous sommes en marche dans ce désert, à attraper une vraie haine du mal. C'est bizarre de dire ça. Et pourtant, nous sommes appelés à haïr le mal, à rejeter le mal, à le rejeter, je pèse mes mots, sous toutes ses formes. Nous sommes appelés à n'avoir aucun compromis avec le mal. Aucun ! Aucun ! Nous sommes appelés à haïr le mal et nous sommes appelés à avoir une certaine rage. Hein. On va voir ça la semaine prochaine parce que souvent, en tant que chrétien, on la prend un peu baba cool en disant « Ouais, mais il faut aimer tout le monde. » Je ne parle pas de gens, hein. Je parle du mal. Je ne parle pas de gens, hein. Je parle du mal. On doit avoir en horreur la maladie, comprenez ? Et ça, hein, quand on est dans la ville de l'esclavage, quand on n'est pas au désert, on s'accommode bien fort avec ça. Hein.
Oh, plus ou moins, ouais, bah, vous savez, toutes ces choses qu'on dira, ouais, la guérison, ouais, bah, on a quand même la possibilité d'avoir des médicaments. Et bah, je ne suis pas en train de vous dire que les médicaments, c'est mal, ce n'est pas ça que je vous dis. Mais on peut se conforter d'une situation qui n'est pas tout à fait géniale, mais on vit avec, et puis tout à fait, honnêtement, ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Quittez cela, tournez le dos à la ville, à cette situation d'esclavage humaine et s'élancer dans le désert en disant « Seigneur, je veux aller chercher qui tu es dans ce désert » nous fait nous éloigner vraiment de cela. On verra ça la semaine prochaine. Nous sommes appelés à haïr le mal, à haïr la maladie, à haïr les cas de personnes qui sont en prise des démons. Nous sommes appelés à haïr ça. Vraiment. Hein. On a peut-être besoin d'un peu plus de rage, d'un peu plus de... Ouais, on verra ça la semaine prochaine, ok ? Rendez-vous lancé. Nous sommes appelés à avoir de l'intimité avec le Père. Je termine avec cette pensée. Vraiment, dans le désert, Dieu nous appelle à le rencontrer personnellement. Et ces situations où nous ne voyons pas directement la guérison, l'exaucement de nos prières, c'est comme des moments de pause dans notre vie, des moments privilégiés où nous pouvons nous mettre à genoux et le chercher davantage. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Non, mais soyons honnêtes, Olivier. Quand tout va bien, quand tout est nickel, est-ce qu'on cherche beaucoup Dieu? Ouais, honnêtement. Non. Hein. Alors, est-ce que Dieu nous frappe en disant ah, « c'est pas bien, comme ça tu me chercheras » Non, mais Dieu permet. Et alors là, quand on est dans le désert, eh bien, on a le choix. Ou on peut tout envoyer péter, ou alors on peut dire, oh là, non Seigneur, il faut que je m'approche de toi. J'ai besoin de toi, je te veux dans ma vie, voyez? Et nos pourquoi se transformant? Comment Seigneur, tu vas transformer cette situation? Seigneur, comment tu vas transformer cela? Comment, Seigneur, comment tu vas appeler à la vie? Qu'est-ce que tu vas appeler à la vie? Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Alors encore aujourd'hui, nous voulons nous tenir debout comme Paul le dit à Timothée, nous voulons être une colonne pour l'appui de la vérité. Nous voulons être témoins, nous voulons être une lumière pour ce monde. Nous voulons tenir dans nos positions. Oui, c'est vrai, nous ne voyons pas l'exaucement de toutes nos prières. C'est vrai. Particulièrement pour le moment, c'est vrai. On a des proches là, des gens qu'on aime, qui sont avec leurs enfants à l'hôpital là, pour le moment, aujourd'hui. Est-ce que du coup on le prend cool, cool Raoul? Ou est-ce que ça nous brise le cœur? Évidemment que ça nous brise le cœur. Est-ce que ça ne fait pas monter en nous un peu la rage là, du mal? Ouais, ben il serait peut-être temps qu'on l'ait un peu plus même. Mais on ne veut pas laisser les pourquoi nous faire abandonner notre place de témoin pour la vérité. Nous ne voulons pas laisser ces pourquoi, ces comment ça se fait, nous empêcher. Nous ne voulons pas laisser ces déserts nous éloigner de Dieu. Non, au contraire, nous voulons profiter de ces moments pour nous approcher. Seigneur, tu vois nos bien-aimés qui sont à l'hôpital. Seigneur, tu vois la petite Gabriella spécialement qui est à l'hôpital, Seigneur. Et nous ne voulons pas laisser les... Oh mais Seigneur, comment ça se fait que ça fait une semaine qu'on prie, Seigneur? Nous ne voulons pas laisser cela nous empêcher de continuer à proclamer et à croire comme une colonne sous quelque chose qu'elle porte. Nous ne voulons pas nous écraser, nous voulons rester fermes et dire, Seigneur, ce que je crois, ce que nous croyons en tant que communauté, ce que nous croyons en tant qu'Église de Dieu, ce que nous croyons, c'est que tu guéris. Tu es le Dieu de la délivrance, le Dieu de la liberté, le Dieu de la guérison, oh Seigneur. Nous voulons tenir ferme dans nos positions de foi, nous voulons tenir ferme dans nos convictions. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu de toute délivrance. Nous croyons que tu es le Dieu de toute délivrance. Et Seigneur, merci parce que la situation que nous connaissons aujourd'hui, tu la transformeras en bien. Tout ce qui se passe aujourd'hui, Seigneur, servira d'exemple, servira de témoignage. Seigneur, le désert que nous traversons aujourd'hui nous sert à nous rapprocher de toi, nous donne de te rechercher davantage, Seigneur. Si le diable croit qu'en rendant malade, qu'en nous mentant et qu'en nous accablant, il va nous faire chuter et tomber, s'il croit qu'avec tous ses artifices, tous ses hurlements, parce qu'il essaye de nous faire peur, s'il croit que ça va nous éloigner de ton cœur, Seigneur, il se trompe. Ah, vous pouvez dire amen à ça. S'il croit que nous allons nous éloigner du cœur du Père, il se trompe. Seigneur, ce que nous croyons nous rapproche davantage de toi. Et même si cette situation n'est pas agréable, même si, Seigneur, ça nous fait mal au cœur, ça nous fait mal au ventre, Seigneur, nous savons que tu vas utiliser cette situation pour glorifier ton nom.
Et en tant que famille, nous voulons continuer à proclamer. Alors oui, je saisis ce moment pour proclamer la guérison sur Gabriella maintenant. Nous ordonnons à toute infection de disparaître maintenant. Nous ordonnons à la maladie de quitter son corps maintenant. Seigneur, oui, cette situation fait naître en nous une sainte rage, une sainte haine du mal. Nous en avons marre de cette situation. Nous ne voulons plus vivre, Seigneur, le genou à terre sous les coups du diable. Nous voulons être debout, nous voulons être des témoins, Seigneur, et nous voulons saisir ces moments pour nous rapprocher encore plus de toi. Seigneur, nous saisissons ces moments pour proclamer la délivrance. Alléluia, nous voulons dire au corps de Gabriella, maintenant tu saisis la vérité. Cette vérité est pour toi, tu es guéri. Il y a une guérison là qui est prête. Depuis le début, il y a une guérison qui est prête. Et même si le diable s'acharne, ce que nous croyons, c'est que la guérison est prête. Elle est déjà prête, elle est déjà obtenue, elle est déjà accordée. Nous proclamons juste que son corps s'aligne avec la vérité de la Bible. Elle s'aligne avec la vérité des déclarations de Jésus. Elle s'aligne avec les vérités de la déclaration du Saint-Esprit qui nous dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes, pas nous serons peut-être. Il y a des fois où, non, nous sommes guéris. Nous croyons et nous proclamons que son corps s'aligne sur cette vérité. » Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, que le Seigneur nous fortifie encore aujourd'hui. Que le Saint-Esprit nous fortifie, que le Saint-Esprit ranime notre foi. Ne baissons pas les bras. Ne laissons pas les situations autour de nous, les événements, ne les laissons pas nous tirer vers le bas. N'essayons pas de contrôler. Gardons fermement notre position de foi. Gardons notre conviction. Dieu est bon. Le diable crie à nos oreilles pour le moment, il hurle à nos oreilles. Si on pouvait le voir, c'est un mégaphone avec des haut-parleurs, avec tout. Il a mis une sono complète et autour de nos oreilles, il hurle le contraire. Il hurle que Dieu ne guérit pas, il hurle que Dieu ne nous aime pas, il hurle que Dieu n'est pas la guérison, il hurle que ce n'est pas vrai, il hurle que Dieu nous abandonne, il hurle ça à nos oreilles. C'est vrai, hein? Pour le moment, il hurle ça. Et si on fait un pas de recul, on se dit, mais il ment. Il ment. Il est menteur depuis le début, il a toujours menti, il mentira toujours. Enfin, il est menteur et père du mensonge, nous dit la Bible. Nous croyons que Dieu est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Alors encore aujourd'hui, bien, nous saisissons, je voudrais vraiment vous encourager. Merci Seigneur pour les déserts qui sont permis. Ça nous donne de nous rapprocher de toi. Rappelez-vous, nous ne contrôlons pas le désert. Nous ne contrôlons pas les événements, mais notre foi détermine ce que nous trouverons au désert. Notre foi détermine ce que nous trouverons dans le désert. Et si nous confions si nous mettons notre confiance en Dieu, nous trouverons sa présence. Que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés, soyez renouvelés. Que votre foi soit affermie. Je proclame dans le nom de Jésus que votre foi est affermie. Votre foi est relevée. Je proclame que vous êtes soutenus dans le nom de Jésus. Je proclame que malgré les situations, malgré les événements autour de vous, Dieu vous donne la force. Dieu vous tient debout. C'est lui, c'est le Saint-Esprit. Il vous tient debout. Il fait de vous des gens, des hommes et des femmes fermes, inébranlables. Vous êtes des colonnes pour la vérité. Et Dieu se saisit de vous pour proclamer. Il se saisit de vous pour témoigner. Il se saisit de vous pour porter la lumière. Soyez renouvelés. Soyez encouragés. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci à tous ceux qui ont été présents, qui ont suivi ce message. On vous embrasse, on prie pour vous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, même financièrement, qui sont là semaine après semaine pour nous aider. Merci. Soyez renouvelés, soyez encouragés. Si vous avez des besoins, je lance cet appel sur le live, mais si vous avez des besoins particuliers, des requêtes de prière, faites-les nous parvenir, on priera. On a des réunions de prière en semaine, vous êtes les bienvenus évidemment, mais pour ceux et celles qui ont du mal à se déplacer ou qui simplement ne sont pas à l'aise avec le fait de se déplacer dans une autre communauté, peu importe, soyez bénis. Vous pouvez nous laisser vos demandes de prière, nous prierons, nous proclamerons la bénédiction de Dieu sur votre vie. Nous voulons continuer, quoi qu'il en soit, à être une colonne pour la vérité. Nous voulons être témoins pour la vérité et nous croyons que Dieu est vivant. Alléluia, soyez bénis. Le rendez-vous est lancé pour la semaine prochaine. On continuera cette thématique la semaine prochaine, on verra ensemble. Comment Dieu veut nous propulser dans un combat où nous sommes peut-être un peu plus hargneux que nous le sommes pour le moment. Mais Dieu veut faire de nous des forts. Nous sommes appelés à terrasser les dragons. Vous saviez ça? Alléluia. Soyez bénis, soyez encouragés. Je vous lance le rendez-vous pour la semaine prochaine.
À bientôt.